cage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. On fait une pause, putain de merde, avant de commencer la vidéo, je m'excuse. J'avais oublié une affaire, c'est que des fois, le jeu il glitch tellement que ça bug. Des fois, tu peux crasher, puis des fois, genre, t'as l'écran de chargement, mais tu peux jouer pareil. Mais genre, faut que tu fermes le jeu, puis tu redémarres le jeu, parce que c'est trop mal fait, ce jeu-là. Non, c'est pas trop mal fait, je l'aime, ce jeu-là, mais... Mais des fois, ces bugs-là, allô, on peut pas les régler. Merci, je vous laisse avec la vidéo. Et yo tout le monde, c'est Mamie de Marco. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de glitch sur Need for Speed Payback. Ça fait un méchant bout, moi je voyais plein de glitch passer. Puis j'ai fait, ça sert à rien, il va être patché dans pas longtemps. Puis là c'est un glitch il y a un jour, sorti, je l'ai vu, c'est un autre youtubeur. C'est pas mon glitch partout, j'ai rien trouvé. Moi j'ai rien trouvé, moi je veux juste l'expliquer en français parce que le gars il parle en anglais. Puis je comprends bien l'anglais que je voulais expliquer. Je n'exploite pour 5 cents ce glitch-là, papa. Toi, t'as regardé mon nombre d'argent. Non, j'ai pas 3 millions, c'est 300 piastres. Non, j'ai 3 millions. Oui, j'exploite le glitch sérieux dans le fond parce que c'est dur de se faire de l'argent sur ce jeu-là. T'as en profiter, puis pas mal ça. Bon, première chose que vous allez faire, vous allez. Le jump là, vous. C'est le même glitch que la dernière fois du vieux que j'ai fait. En fait, c'est un after patch. De after patch, after patch. Mais genre, ils sont pas capables de patcher ce type de glitch. Parce que vous montez là. Vous prenez n'importe quel char, ça marche avec n'importe quel char. Ben, il y a des chars un petit peu plus durs pour le faire, les glitch. Vous allez vers la gauche ici, sur le pont. Habituellement, vous avez des affaires, mais là, je les ai détruits parce que je faisais glitch avant la vidéo. C'est le glitch le même, c'est 100 000, mais je crois que des fois, ça donne un peu moins. 82 000, un affaire même. En fait, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre sur le côté comme ça. Vous allez rouler vraiment lentement. Genre, même pas les 10 km/h. Et de vous lancer sur le côté comme ça. Et d'essayer de tomber dans la barrière. Parce que ça vous fait glitch. Tu me fais remonter en haut, merci. Et là, je vais vous faire un accéléré pour passer parce que c'est long des fois. Ça peut prendre du temps, faut juste être patient. Check comme là, je l'ai peut-être. Mais non, je l'ai pas parce... Oh oui, parfait, je suis parfait. Là, quand vous faites, vous êtes comme ça, comme moi. Là, vous bougez pas pendant tout, là. Vous faites R1, mais vous maintenez R1, puis vous accélérez. Genre, pour changer de voiture, vous accélérez. Puis vous maintenez R1. Genre, je vais le faire. Maintenez R1 jusqu'à temps que l'écran arrête d'être noir. Vous allez respawn en haut sur le bridge. Ben, sur le pont. En bon français, là, parce que moi je l'ai dit en anglais. Que vous faites R1, R2 en même temps. 1, 2, 3, go. Et vous avancez. Et là, vous arrêtez pas de peser, là, parce que sinon. Et le glitch a marché, vous voyez. Et là, je peux aller me promener, je vais vous montrer. Vous avez le menu toujours actif. Vous revenez n'importe où, vous pouvez avoir le truc. Que pour faire la course, ben vous faites la course, vous faites 4 fois le truc. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pilote devant vous au départ. Puis ça va vous donner 84 000 ou 80 000. Ben on va arrondir à 100 000. 100 000. C'est glitch de 100 000 encore. Puis ce qui est super le fun avec ce glitch là, c'est que ça donne gros des caisses. C'est ce qui donne gros des jetons pour améliorer votre char. J'en ai 64, j'ai fait 3 millions en moins 1h30, 2h. C'est pas si pire. Là, ça va être en accéléré, inquiétez-vous pas. Je vous mettrai pas. Là quand vous voyez que le dernier char part, ben là c'est la dernière fois que vous faites. Et puis si vous voulez faire les défis, vous pouvez le faire, hein? ça change rien. Les défis changent rien, c'est juste de vous donner plus d'argent. Mais moi je le fais pas parce que ça me fait chier de détruire 60 affaires. Que là vous partez. C'est normal que les chars fassent n'importe quoi dans la course, ok?
Je t'ai niqué la Lambo et boum, j'ai fini. Bon, 1 minute 53 pour 140 000. 140 000 que j'ai fait. En bon calcul, j'avais 83 000 que j'ai fait. 87 000, à peu près. Non, il me manque pas gros pour une taxe. Si vous voulez sortir du menu, c'est comme l'ancien glitch, vous faites juste changer de voiture. Vous maintenez. Vous changez de char. Et vous avez le char. Pouloulou. Puis vous avez toute la cash. Ça fait du bien dans votre million des fois. Bon. Je vous dis à la prochaine et ciao les boys.